L'IDS Box, c'est un dispositif qui a été conçu au départ par Bibliothèque Sans Frontières et designé par Philippe Stark. Et c'est constitué de quatre boîtes colorées qui contiennent du matériel, tout le matériel qui permet en fait de réaliser toutes les actions qu'on peut mener en bibliothèque. Et quand tout ça est déployé, ça fait 100 mètres carrés au maximum. Nous, ce qui nous intéresse en tant que parents, c'est que déjà, possiblement, les enfants peuvent se rencontrer. Parce qu'il n'y a pas d'école à Saint-Péran, il n'y a pas de médiathèque. Donc, quand il y a des ateliers comme ça, les enfants peuvent se retrouver. Il y a aussi la découverte. On découvre de nouveaux jeux, on découvre de nouveaux livres. Voilà, ça crée du lien. Je trouve que c'est une super idée, en plein air, il y a plein de jeux. Et c'est ça qui me plaît. Les jeux de société, il y en a plein. Et du coup, il y en a beaucoup qui sont bien. Je ne connaissais pas le concept, non. Voilà. Nous, on est rennais, donc c'est vrai qu'on a accès aux bibliothèques, aux ludothèques, etc. Mais du coup, je retrouve vraiment toute la logique de la ludothèque en mode itinérant. Et je trouve ça vraiment une bonne idée. Le département prête les Ideas Box sur les territoires, soit aux communes, soit aux intercommunalités, aux territoires qui ont comme objectif de créer, de réaménager, d'agrandir des médiathèques, ou comme objectif de créer de nouveaux services dans des médiathèques déjà existantes. Donc on est vraiment sur le développement de la lecture publique sur les territoires. On a trouvé cette idée de dispositif complètement modulable, vraiment très pertinent et correspondant finalement à ce qu'on voulait. Il n'y en a que 4 apparemment. Si ça pouvait se multiplier, je crois que ça serait vraiment chouette.